Voici quelques pensées de Voltaire qui vous partagent l'amour, la sagesse et les faits de la vie. Toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un bon ami. Les devoirs de l'amitié sont la confiance, la bienveillance et les conseils. Si mes amis sont heureux, je serai moins misérable. Un ami, don du ciel, est le vrai bien du sage. Pour les cœurs corrompus, l'amitié n'est point faite. La première loi de l'amitié est qu'elle doit être cultivée. La seconde loi est d'être indulgent quand la première a été négligée. Il ne faut songer qu'à vivre avec soi-même et avec ses amis, et non à s'établir une seconde existence très chimérique dans l'esprit des autres hommes. La clémence a raison, et la colère a tort. Les larmes sont le langage muet de la douleur. À l'amour, tout miracle est possible. Les beaux esprits se rencontrent. Vous devez passer votre vie à aimer et à penser. C'est la véritable vie des esprits. L'absence augmente toujours l'amour qui n'est pas satisfait. L'amour doit vous instruire, suivez ses douces lois. Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères. L'amour seul donne les plaisirs et le plaisir est d'être aimé. L'amour, c'est l'étoffe de la nature que l'imagination a brodée. L'amour heureux est trop volage, du mariage craignez les nœuds. La sombre jalousie, au teint pâle et livide, suit d'un pied chancelant le soupçon qui la guide. La tristesse et la crainte, deux sentiments bien désagréables. Ajouter Y les regrets, c'est le pire état de l'âme. Il ne faut qu'aimer d'un amour sincère, pour goûter la douceur qu'on sent à demeurer fidèle. L'amour est de toutes les passions la plus forte, elle attaque à la fois la tête, le cœur et le corps. Il n'y a point de mal dont il ne naisse un bien. Le monde avec lenteur marche vers la sagesse. Tout homme doit s'intéresser au bien de l'humanité. Le seul moyen d'obliger les hommes à dire du bien de vous, c'est d'en faire. J'ai fait un peu de bien, c'est mon plus bel ouvrage. Pour être un bon ministre, il faut avoir pour passion dominante l'amour du bien public. Le vrai philosophe n'attend rien des hommes, et il leur fait tout le bien dont il est capable. La découverte de ce qui est vrai et la pratique de ce qui est bon sont les deux objectifs les plus importants de la philosophie. Le paradis terrestre est où je suis. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ce n'est pas notre condition, c'est la trempe de notre âme qui nous rend heureux. L'honneur est le diamant que la vertu porte au doigt. Il y a une distance immense entre être heureux et être aimable. Le vrai bonheur, le seul digne de l'homme, est de toucher un cœur. Tel homme qui dans un excès de mélancolie se tue aujourd'hui, aimerait vivre s'il attendait huit jours. La solide affaire qu'on doit approfondir, c'est d'être heureux et d'avoir du plaisir. Le plaisir est plus rapide que le bonheur et le bonheur que la félicité. On confie aisément des malheurs qu'on surmonte. Mais qu'il est accablant de parler de sa honte. Le bonheur est souvent la seule chose que l'on puisse donner sans l'avoir et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. La consolation de la vieillesse est de rendre la jeunesse heureuse. La grande affaire est la seule qu'on doit avoir c'est de vivre heureux. Comme les richesses de ce monde sont périssables, il n'y a rien de solide que la vertu et le bonheur. Le bonheur est un bien que nous vend la nature, il n'est point de moisson sans culture. Nous cherchons tout le bonheur, mais sans savoir où, comme des ivrognes qui cherchent leur maison, sachant confusément qu'ils en ont une. Au lieu de nous étonner et de nous plaindre du malheur et de la brièveté de la vie, nous devons nous étonner et nous féliciter de notre bonheur et de sa durée. Le remords est la seule vertu qui reste au coupable. La loi naturelle est l'instinct qui nous fait sentir la justice. Il en est des lois comme des vêtements, qui sont tous de convention. Les hommes n'ont jamais de remords des choses qu'ils sont dans l'usage de faire. Il est avantageux de s'accommoder quand on a raison et de plaider quand on a tort. Que toute loi soit claire, uniforme et précise, l'interpréter, c'est presque toujours la corrompre. Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. Il est défendu de tuer, tout meurtrier est puni, à moins qu'il n'ait tué en grande compagnie, et au son des trompettes. Tous les hommes seraient donc nécessairement égaux, s'ils étaient sans besoin. La modération est le trésor du sage. On peut juger du caractère des hommes par leurs entreprises. Pense pour toi-même et laisse aux autres le privilège de le faire aussi. Guidés par le caprice ou par l'humeur, les hommes agissent sans but et sans dessein. La liberté dans l'homme est la santé de l'âme. Voulez-vous vivre heureux, vivez toujours sans maître. Nous ne sommes pas seulement responsables de ce que nous faisons, mais aussi, pour ce que nous ne faisons pas. Si l'homme est créé libre, il doit se gouverner. Si l'homme a des tyrans, il doit les détrôner. Il est bien malaisé doté à des insensés des chaînes qu'il révèrent. C'est n'être bon à rien que n'être bon qu'à soi. C'est un poids bien pesant qu'un nom trop tôt fameux.